Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le coin Stat, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est l'épisode 35 de nos Weekly Analytics Show, où on découvre ensemble des projets de data science, on invite des personnes influentes dans le domaine. Aujourd'hui, ce sera un live où on va pratiquer ensemble. Comme vous l'avez vu, on va apprendre à déployer des modèles de machine learning en utilisant non seulement FastAPI et Docker. Comme d'habitude, dites-moi dans le chat, est-ce qu'il y a des nouveaux ou des nouvelles sur la chaîne ce soir? Est-ce que le son il est bon? Est-ce que vous m'entendez très bien ce soir? Est-ce que vous êtes prêts pour ce nouveau live? Il y a Premier qui est là, comme d'habitude, qui est impatient à suivre la session. On a Donatien, bonsoir Donatien depuis Kinshasa. On a Bakam, bonsoir Pascal. Bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver tous les dimanches à 21h. On a Maxime qui demande, pouvez-vous faire une vidéo sur XGBoost en R, s'il vous plaît? Je note l'idée, Maxime. On a Menako, on a Eric, on a Abdul, on a Suleiman, tout le monde. Le son est OK. On a Suleiman qui est nouveau ou nouvelle. Pour tous ceux qui sont nouveaux ici, moi, c'est Natacha Ndjongwa. Ça fait bientôt 5 ans que je travaille en tant que data scientist dans le secteur financier et sur la chaîne YouTube Le Coin Stat ou encore sur ma page LinkedIn. LinkedIn, Natacha Ndjongwa. On se retrouve tous les dimanches à 21h. Pour parler de data science, pour faire des projets ensemble, pour répondre à toutes vos questions. Première question avant qu'on ne commence, est-ce que vous, dans le chat, vous avez déjà eu l'expérience avec le déploiement de modèles de machine learning? Quand je parle du mot déploiement, est-ce que vous comprenez exactement de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà eu à mettre en place des modèles de machine learning en production? Quelle est votre expérience avec le sujet? Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que vous êtes débutante? Avez-vous déjà entendu parler de FastAPI? Avez-vous déjà entendu parler de Docker ou tout autre outil qui permet de déployer des modèles de machine learning? Il y a Keder qui me dit non. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà l'expérience? Ce live, on va le diviser en deux parties. Okay? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va faire la première partie et dans quelques semaines, on va finaliser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tant que data scientist, notre rôle, c'est de, en général, pas toujours en tout cas, de développer des modèles mathématiques qui permettent en fait de faire plusieurs travaux. Si vous travaillez comme moi dans le domaine financier, vous serez amené à mettre en place des règles mathématiques qui permettent de dire si un client va rembourser son crédit ou pas. Ça, c'est un travail qu'on fait. Lorsqu'on est amené à développer ce type de modèle mathématique, majoritairement, la plupart du temps, si vous travaillez en Python, vous utilisez probablement Jupyter Notebook. Et dans votre notebook, vous avez accès à votre modèle. Mais le problème, c'est que dans la vraie vie de l'entreprise, on a besoin de donner accès au modèle qui vient d'être développé à d'autres utilisateurs. D'autres applications de l'entreprise peuvent vouloir utiliser l'application, le modèle que vous avez développé. C'est d'où la notion de déploiement. Déployer un modèle, ça signifie rendre ce modèle accessible aux autres utilisateurs sans que ces utilisateurs n'aient besoin de comprendre ce qui se cache réellement derrière. En matière de déploiement, on utilise en général l'API. Qu'est-ce que c'est API? Application Programming Interface. Pour pouvoir déployer un modèle, on va souvent concevoir ce qu'on appelle des API. Okay? C'est quoi l'API? L'API, c'est tout simplement cet outil qui permet de communiquer entre deux applications. J'ai construit mon modèle dans un outil. Un autre service a besoin d'utiliser mon modèle. Je mets en place l'API. L'équipe produit, entre guillemets, va faire appel à l'API que j'ai créée pour pouvoir utiliser le modèle de machine learning que j'ai développé. Donc, c'est à ça que c'est le modèle de machine learning. C'est à ça que c'est les API permet de communiquer entre deux applications. Pour que ce soit concret, je vais prendre un exemple. Imaginez-vous aujourd'hui, vous voulez développer une application qui permet en fait de lister les restaurants dans une ville. Et dans votre application, vous aurez certainement besoin d'avoir la distance entre deux positions ou bien d'avoir le trajet. Au lieu de redévelopper la fonctionnalité qui permet d'avoir le parcours, vous pouvez récupérer directement l'API de Google Maps, par exemple, et utiliser Google Maps sur votre application.
C'est exactement ça, le même principe avec le déploiement de modèles. Moi, je développe mon modèle de machine learning, je construis l'API que je rends accessible à l'équipe produit qui va pouvoir utiliser cette API-là pour donner en face les probabilités de défaut des clients. Donc, pour ce live, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ce soir? Ce soir, on va faire ensemble la première partie qui va consister déjà à découvrir ce que c'est FastAPI, parce que FastAPI, c'est justement cet outil Python qui vous permet de créer rapidement des API, comme son nom l'indique, FastAPI, API rapide. Ensuite, après avoir créé une autre API avec FastAPI, on va créer une image sur Docker pour pouvoir rendre accessible cette API-là à une machine virtuelle. Donc, comme d'habitude, prenez votre PC et mettez en place les actions en même temps que moi. Comme ça, on va créer le conteneur Docker avec l'API qu'on aura déployée. Pour pouvoir réaliser ce travail, on a besoin de trois choses. Premier point, c'est VS Code. Pourquoi est-ce que ce soir, on va utiliser VS Code? Parce que lorsqu'on quitte déjà de la phase analytique, lorsqu'on quitte déjà de la phase développement de modèle, Jupyter Notebook n'est plus très adapté. Donc, quand vous avez développé vos modèles, c'est le moment de sortir du notebook et aller vers la programmation pure Python pour avoir un code qui est déployable en général. Okay? Donc, on va quitter du notebook, on ne va pas utiliser notebook, on va aller ensemble sur Internet. Moi, je l'ai déjà fait, mais plus pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. On va aller ensemble sur Internet tout de suite et on va installer VS Code. Pour ce faire, vous écrivez juste installer VS Code. Si vous êtes sur Mac, vous mettez Mac. Si vous êtes sur Windows, vous mettez Windows. Si vous êtes sur Linux, vous mettez Linux. Donc, c'est la première étape de notre travail. On installe VS Code. Moi, je clique ici. Moi, je l'ai déjà fait. Je fais juste la procédure pour vous montrer. Pourquoi est-ce qu'on utilise VS Code? Comme je le disais, parce que ça rend le travail en Python plus simple, plus facile, comparativement à Jupyter Notebook que vous avez l'habitude d'utiliser jusqu'ici. Pour ceux qui utilisent Jupyter Notebook, bien sûr. Une fois qu'on a installé VS Code, on double-clique, on suit la procédure et VS Code sera installé sur votre ordinateur. OK? Donc, quand vous installez VS Code, vous avez l'interface qui ressemble à ceci. Ça ressemble à ça, première étape. En installant VS Code, a priori, je suppose que vous avez déjà Python. OK? Vous avez déjà Python, vous avez installé Anaconda ou tout autre éditeur, vous avez déjà Python, vous avez déjà Anaconda. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va premièrement installer des extensions qui sont très efficaces lorsqu'on souhaite travailler en Python avec VS Code. C'est ça, ok? Je vais dans Extensions. Première extension que moi je vous recommande toujours d'installer, c'est bien évidemment l'extension Python, qui vous permet de travailler facilement avec Python, tout ce qui va être débogage, tout ce qui va être formatage des codes et autres. Donc, Python, c'est l'extension à installer si vous travaillez sur VS Code. Moi, je l'ai déjà installé Python. OK. Première extension, vous installez Python. Seconde extension, il y a aussi, au-delà de Python, il y a aussi Python Extension Pack. Python Extension Pack. Ouais, c'est ça. Sinon, vous installez ce package qui contient plusieurs outils de productivité qui vous permettent de travailler avec Python, notamment IntelliCode, qui est l'assistant qui vous permet de suggérer le code au fur et à mesure que vous travaillez. Okay? Une fois qu'on a installé Python, qu'est-ce qu'on a besoin une fois de plus? On a besoin maintenant d'installer Docker sur notre ordinateur. Là, je viens d'installer VS Code, j'ai installé Python. Deuxième outil dont on aura besoin ce soir, ce sera bien évidemment Docker. C'est quoi Docker? C'est tout simplement cet outil qui va vous permettre en fait de faire ce qu'on appelle des conteneurs et mettre en place des images de votre application. Pourquoi est-ce qu'on crée, pourquoi est-ce qu'on utilise Docker pour pouvoir faire du déploiement? En fait, il y a trois raisons. Première raison, c'est que ça va simplifier énormément en fait la mise en production de votre travail. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aujourd'hui, Docker va créer une sorte de machine virtuelle qui va contenir l'ensemble de votre code et le conteneur sera. Va, en fait, ça va donner la possibilité à d'autres utilisateurs
d'utiliser votre application sans avoir des problèmes en fait de versionning, de système d'exploitation et autres. Donc Docker va se charger de toute cette partie-là, créer le conteneur qui va contenir votre application et permettre l'utilisation facile de l'application. Donc on va donc installer deuxièmement Docker. Pour installer Docker, pareil, on va venir sur Google, juste ici. On va taper installer Docker. OK. Installer Docker, moi je l'ai déjà fait. On va cliquer ici Docker Desktop for Mac. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows. Si vous êtes sur Linux, vous cliquez sur Linux. Donc je vais cliquer ici sur Docker et je choisis la version du Mac que j'ai. Donc je choisis le premier. Il dit installation bloquée, je vais autoriser, télécharger un fichier non validé. Sous Windows, faites la même chose, vous aurez accès à Docker également. Ça prend quelques secondes pour être utile. On a Aloïc qui me dit « j'utilise pas Hacham ». Ça fait l'affaire. Le plus important, c'est que vous avez la possibilité de travailler sur un terminal. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser VS Code. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'utiliser VS Code. OK, on a installé Docker. On va double-cliquer. On va installer l'outil. OK. Je vais mettre « remplacer ». Donc, on installe l'outil. Une fois qu'on a installé l'outil, il va falloir créer votre compte sur Docker. Vous allez voir. Donc, une fois que ce sera installé, on va créer ensemble un compte sur Docker. Voilà. Est-ce que l'installation est finie de votre côté? Dites-moi en commentaire si, comme moi, vous avez fini l'installation de Docker. Vous qui êtes en replay, comme d'habitude, mettez également en commentaire votre évolution parce que moi, je veux absolument qu'à chaque fois qu'on travaille ensemble, on pratique en même temps parce que c'est comme ça que vous allez véritablement comprendre ce qui se passe. Il y a Abdou Rahman qui me dit que c'est un peu rapide. OK, je prends le temps. On a fait deux choses. On n'a pas fait grand-chose jusqu'ici. On a fait trois choses. Premièrement, on a installé VS Code, Visual Studio Code, PyCharm pour tous ceux qui ont PyCharm. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. Rien de plus. OK. On a installé VS Code. On a ouvert VS Code tout de suite. On a ouvert VS Code. Tac. Pourquoi est-ce que je l'ouvre? Oui, on a ouvert VS Code. On a tout simplement installé l'extension Python. Je vous ai dit qu'on travaille en VS Code, il faut toujours installer l'extension Python parce que c'est cette extension qui vous permet de travailler plus facilement avec Python en VS Code. Je vous ai aussi recommandé d'installer le paquet. Ce paquet ici, c'est extension. Voilà. C'est Python Extension Pack qui contient en fait plusieurs packages de productivité. Je vais d'ailleurs faire une vidéo la semaine prochaine, sur le sujet. Vous avez quoi dans ce pack-là? Vous avez Python, vous avez Django, pour ceux qui utilisent Django, vous avez IntelliCode, vous avez le package qui permet d'indenter, vous avez ce qui permet de gérer des environnements virtuels. On reviendra sur cette notion parce qu'on va travailler sur des environnements virtuels tout à l'heure. Une fois que vous avez ça, on va donc installer Docker. Est-ce qu'il y aura le replay? Oui, les replays sont disponibles sur le point stat, la chaîne YouTube. Vous aurez le replay juste à la fin. Suivez les étapes. Pourquoi est-ce que je vous recommande VS Code? J'insiste encore. Quand on met en place des modèles de machine learning, quand on met en place nos analyses personnelles qui vont rester pour nous, pas besoin d'utiliser VS Code. Vous pouvez utiliser votre notebook d'habitude parce que l'avantage du notebook, en fait, c'est que vous avez le code, vous avez le résultat, vous avez le code. C'est ça l'avantage. Mais quand on veut passer en production, c'est souvent plus simple d'utiliser des environnements comme VS Code ou encore PyCharm. Okay? Une fois qu'on a installé VS Code, je vous recommande également d'installer Docker. Pour Docker, c'est pareil, c'est très simple. Pour installer Docker, je vais sur Internet, je tape « installer Docker pour Mac », installer Docker pour Windows, installer Docker pour Linux, peu importe votre système d'exploitation, vous aurez Docker. Une fois que vous avez installé Docker, je vois que c'est bon pour Fabrice. Dites-moi aussi si c'est bon pour vous. Une fois que vous avez installé Docker comme nous, vous allez aller dans vos applications, juste là. Vous allez aller dans vos applications. Vous allez ouvrir Docker. C'est où Docker? Tac, tac, tac. Vous allez ouvrir Docker et vous allez créer votre compte, configurer, etc. Pourquoi est-ce que quand je double-clique, voilà, ouvrir.
Vous avez créé votre compte, configuré, de telle sorte qu'on pourra travailler. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà créé mon compte, j'ai déjà configuré et tout se passe bien de mon côté. Okay. Une fois qu'on aura créé le compte, on va donc, une fois de plus, aller sur VS Code et rajouter l'extension Docker qui permet justement de travailler facilement avec Docker sur VS Code. OK? Voilà. Je prends la version de Gabbana. Je ne sais pas si je prononce bien. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer de façon ramassée ce que vous appelez par modèle? Par exemple, sur, vous dites développer un modèle dans une entreprise. Qu'est-ce que j'appelle modèle? Je vous te présente, c'est quoi un modèle? Tu vas... Un modèle, je présente, c'est quoi un modèle? Tac. Un modèle, OK. Modèle régression linéaire. Voilà. Image. Est-ce que j'ai une équation? En fait, le modèle, imagine ici Y. Imagine que le Y ici, c'est quoi? C'est le niveau de revenu. OK? Le X ici, c'est l'âge. J'ai envie de créer un modèle mathématique qui va permettre d'expliquer le niveau de revenu d'une personne en fonction de l'âge. J'écris la droite d'équation Y égale à A. Peut-être 5 fois le revenu plus B. C'est ça un modèle, en fait. Un modèle, c'est tout simplement une règle de décision qui permet de prédire une valeur, qui permet de prédire une variable qualitative. C'est ce qu'on appelle modèle, en fait. Donc, en machine learning, lorsqu'on construit ce modèle, il faut qu'on donne accès à ce modèle en production à d'autres personnes. OK? OK, tout le monde a fini. Maintenant, on repasse sur VS Code. On va installer l'extension Docker aussi. Vous voyez, moi, je l'ai déjà fait. Vous cliquez sur « Installer ». OK, ça vous permet en fait de travailler facilement avec Docker sous VS Code. Voilà. Maintenant qu'on a installé tout ce qu'il nous faut, on peut donc commencer à créer déjà l'API. Donc l'API qui va contenir, en pratique, aujourd'hui on ne va pas parler de modèles, je vais juste parler des concepts clés et la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va aller au niveau des modèles. Une fois qu'on a fait cela, on va commencer par créer notre projet. Parce que notre projet, on veut mettre en place un modèle, une architecture qui permet de déployer nos codes. OK? Donc, comme on a déjà tout, on va revenir. Je vais fermer. On va revenir sur l'accueil. Tac, je vais fermer ça. On va revenir ici. Vous faites fichier. Ouvrir dossier. Ouvrir un dossier. Normalement, ouvrir un dossier qui sera notre espace de travail. Quand vous faites du machine learning, prenez toujours l'habitude de créer votre dossier. Il va appeler ça comment? Projet Fast API. Prenez l'habitude de travailler en mode projet lorsque vous êtes sur VS Code. On va créer un dossier. Créer. Je vais faire ouvrir. Lorsque je clique sur ouvrir, vous voyez ici, j'ai mon dossier projet qui est vide, juste là. Donc, j'ai créé mon projet Fast API. En général, on travaille en mode projet. Et une nouvelle notion que je vais introduire tout de suite. Est-ce que vous êtes familier avec la notion d'environnement virtuel en Python? Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec les notions d'environnement virtuel? Qu'est-ce que c'est, une nouvelle notion que je vais introduire? En fait, sur Python, sur ma machine aujourd'hui, j'ai la version 3.11 de Python. J'ai une version, je ne sais pas trop, de Panda, NumPy. Et dans un projet donné, je peux vouloir utiliser une autre version de Python. Je peux vouloir utiliser une autre version de Panda. Je peux vouloir utiliser une autre version d'un package, en fait. Donc, le fait de créer des environnements virtuels me permet de spécifier les versions des packages que je vais utiliser. Pourquoi c'est intéressant de créer des environnements virtuels? Parce que lorsqu'on veut déployer, en fait, des applications, on doit se rassurer que tous les packages qu'on utilise, les versions qui sont disponibles dans notre espace de travail, sont les mêmes qu'on retrouve sur le cloud, sont les mêmes que le client va télécharger de son côté. Raison pour laquelle, première étape de notre travail, ce sera de créer l'environnement virtuel. Pour créer l'environnement virtuel, il y a plusieurs méthodologies. Il y a plusieurs méthodologies de création
des environnements virtuels. Première méthodologie qui est toute simple, c'est tout simplement d'importer, en fait, d'installer le package virtualenv, effect Python, PIP. Pour installer un package en Python, c'est Python, c'est PIP, install. C'est le package virtualenv qui vous permet, en fait, de gérer des environnements virtuels. J'installe, je peux ne pas installer ce package, honnêtement, mais je vous donne une version simple. Donc, là, je vais installer le package virtualenv. Moi, je l'ai déjà installé, raison pour laquelle j'ai requirement already satisfied. Si vous ne l'avez pas, ça va prendre un peu de temps pour être chargé. OK? Une fois que j'ai installé ce package, je peux créer mon environnement virtuel. Pour créer l'environnement virtuel, je fais virtualenv. Mon environnement virtuel, je vais appeler ça Fast API. OK? Je vais appeler ça Fast API. Non. Je vais appeler ça env, comme ça. Oui. Voilà. Donc, je viens de créer mon environnement virtuel avec. J'ai fait vite, je vous montre le code. Si je reviens sur mon explorateur, vous voyez ici, il y a un nouveau dossier qui a été créé. Si vous remarquez juste ici, il y a un nouveau dossier qui a été créé avec bin, avec lib, parce que j'ai écrit cette syntaxe virtualenv, virtualenv, env. Et là, j'ai créé mon environnement virtuel. OK? Voilà. Donc, j'ai créé mon environnement virtuel. Je vais effacer tout ce qui se trouve ici. Tac. Je reprends. Pourquoi est-ce que vous avez besoin des environnements virtuels? C'est plus pour figer les versions de Python, les versions de package que vous allez utiliser tout au long de votre projet. C'est ça l'intérêt de la création d'un environnement virtuel. OK? Lorsqu'on a créé l'environnement virtuel comme moi, il faut l'activer. Ici, c'est, vous voyez écrit base, tac, juste là. Ça, c'est l'environnement de base. Moi, je veux activer l'environnement virtuel que j'ai créé, ENV. Question rapide, est-ce que tout le monde est avec moi jusqu'ici? Je vois des personnes qui disent l'installation prend du temps. Est-ce que tout le monde est avec moi jusqu'ici? Est-ce qu'il y a au moins une personne? Levez le doigt en l'air, mettez un emoji comme vous voulez. Est-ce que tout le monde est avec moi au niveau de la création de l'environnement virtuel? Vous qui êtes en replay, est-ce que vous comprenez jusqu'ici la pertinence d'un environnement virtuel? Voilà. Donc, j'ai créé mon environnement virtuel. Comment est-ce que je l'active? Je suis sur Windows, ça va un peu changer. Mais là, je suis sur Mac. Donc, potentiellement, sur Windows, ça change. Je n'ai plus la syntaxe en tête. Mais sur Mac, ce que moi, je vais faire, vous voyez ici. J'ai le dossier env. Je vais faire source, comme ça. Pour là, je veux activer l'environnement virtuel pour préciser que je vais travailler dans l'environnement virtuel env. J'ai fait source. La source, ce sera quoi? ENV. ENV. Slash. Je vais dans le dossier ENV. Bin. Slash bin. Slash bin. Vous voyez dans le dossier bin ici, j'ai activate. Si je fais slash activate. Voilà. Vous voyez, avant, j'avais uniquement base. Maintenant, j'ai ENV. Donc, écrit ceci m'a permis d'activer mon environnement virtuel. Je vais demander à ChatGPT de me donner l'équivalent sur Windows. Comme ça, vous l'aurez aussi. Je crois qu'il y a un truc de... J'ai oublié la syntaxe. Ça, c'est sur Linux ou bien sur Mac. Voici la syntaxe. Pardon. Voici la syntaxe. Source activée. Si on veut sur Windows, sur... Tac. Ah, je ne suis pas connectée à ce compte. OK. Le constate. Sous Windows, donc c'est pour vous montrer dans la partie comment est-ce que vous pouvez travailler. Voilà. CD activé. OK. Je vois qu'une personne m'a donné la syntaxe sous Windows. Donc, on passe sur l'environnement script activé sous Windows. Génial. Merci beaucoup. N'hésitez pas à appliquer cela. Vous qui êtes sur Windows, sous Mac, c'est sous slash
bin/activé. Sur Windows, c'est juste ça ici. Je vous donne le lien ChatGPT, mystrip/activé. Donc sur Windows, il faut juste mettre le chemin, d'après ce qu'on me dit ici. Donc mettez juste le chemin comme Kevin vous l'a donné. Voilà. Donc on a activé notre environnement virtuel. Maintenant, on va donc, étant donné que dans les projets de machine learning, en général, on installe les packages. OK? On va installer tous les packages dont on aura besoin dans notre environnement virtuel. Je vais effacer. Pour effacer le terminal, j'ai cliqué clear, ça efface tout. OK? On a créé notre environnement virtuel. On l'a activé. Vous voyez ici. Ici, je suis bien dans mon environnement virtuel. Première étape, c'est installer les packages nécessaires dans cet environnement. Premier package qu'on va utiliser ici, c'est FastAPI. FastAPI, c'est tout ce qui va permettre de créer l'API qu'on va utiliser aujourd'hui. On va faire PIP, install. On aura besoin de FastAPI et de UVCon. FastAPI, OK. On a aussi besoin de UVCon qui permet en fait de lancer les applications. Tac. FastAPI et UVCon. J'installe le package. Donc, les packages ont été installés sur mon environnement virtuel, uniquement, pas sur mon PC, uniquement dans l'environnement que je viens de créer. J'ai installé les deux packages nécessaires. Et les packages ont été installés avec succès. Voilà. Et l'environnement virtuel est valable pour ce projet. Bon, du moins, je l'ai activé pour le projet actuel. Je peux l'utiliser dans d'autres projets, mais il faut faire des manipulations. C'est valable pour ce projet. Et j'installe les packages nécessaires pour mon projet. Pour l'instant, j'ai installé deux packages, FastAPI et UVCon. FastAPI et UVCon. Je masque ce commentaire. OK? Voilà. Une fois que j'ai tout installé, mon environnement est configuré, on va créer notre premier application Hello World, notre premier API. J'insiste encore, l'API, c'est tout simplement ce schéma qui permet de communiquer, qui permet la communication entre deux applications. Il y a l'application de l'équipe produit qui a besoin de mon modèle de machine learning. Cette application va communiquer avec l'API que j'aurai développée. L'application de l'équipe produit va aller faire des requêtes sur mon API et cette application aura le résultat. C'est ça le principe de base. Donc globalement, jusqu'ici, on a fait trois choses. On a installé VS Code, on a installé Docker, on a créé notre compte sur Docker, on a ajouté des extensions sur VS Code, notamment l'extension Python et l'extension Docker. Une autre chose qu'on a faite ici, avant qu'on ne passe à l'étape suivante, on a créé l'environnement virtuel qui va nous permettre en fait d'isoler les packages, de bien analyser les dépendances sur notre package. Dans notre projet, pour créer cet environnement virtuel, on a fait PIP, install, virtualenv, vous aurez pu faire autrement, cet environnement qui permet en fait de gérer les environnements virtuels, virtualenv. Une fois qu'on a installé cela, on a créé notre environnement virtuel avec virtualenv, le nom de notre environnement, j'ai appelé ça env. Cette syntaxe permet de créer l'environnement virtuel. Lorsque j'ai créé l'environnement virtuel, dans mon dossier, j'ai le dossier env qui a été créé, juste ici. Pour pouvoir activer ce dossier, qu'est-ce que je fais? Sous Windows Mac, je fais source, OK? Je mets env/bin/activate. En écrivant cela, ça m'active mon environnement. Et sous Mac, on a donné la syntaxe dans les commentaires. Une fois que c'est fait, j'ai installé mes deux packages, notamment PIP, install, FastAPI et UVCon. C'est tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Une fois qu'on a fait ça, on va créer un nouveau fichier. Vous voyez ici, un nouveau fichier, qu'on va appeler un fichier Python cette fois-ci, qu'on va enregistrer dans notre répertoire de travail, enregistrer sous. OK, je vais appeler ça main.py. OK. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre dossier main? On va mettre tout simplement la création de notre API. Aujourd'hui, spécialement pour ce live, on va créer l'API Hello World, tout simplement. OK? On va créer notre API Hello World. Comment est-ce qu'on fait pour créer une API? Première étape,
On commence par importer le package FastAPI de FastAPI. Donc, je vais écrire ici from FastAPI, OK? Import FastAPI. Vous voyez pourquoi je vous ai dit d'installer le package, c'était autocompile, ça me donne automatiquement le code au fur et à mesure que j'écris. Donc, from FastAPI, j'importe API. J'importe FastAPI. Et là, vous remarquez que moi, j'ai des suggestions de code automatiquement. C'est parce que j'ai installé GitHub Copilot. Vous n'aurez pas ça. Bon, on va donc créer l'application avec ce que Google Copilot m'a suggéré. J'ai fait app égale à FastAPI. Ça me permet de créer une nouvelle API. Lorsqu'on a créé l'API, comme je viens de le faire, on peut définir les chemins d'accès. C'est-à-dire, les chemins d'accès, c'est quoi? Je vous ai dit, l'API permet de communiquer entre deux systèmes. L'équipe produit, comment est-ce qu'elle va faire pour accéder à mon modèle? C'est ça un chemin d'accès. Si je veux que l'équipe produit accède, par exemple, à la base de données, il faut que je définisse les chemins d'accès vers la base de données. Si je veux que l'équipe produit accède aux prédictions, il faut que je définisse le chemin d'accès vers les prédictions. Si je veux que l'équipe produit accède au modèle, je dois mettre en place le chemin d'accès. Donc, une fois que j'ai importé FastAPI, je crée mon application. Une fois que j'ai créé, je dois définir tous les chemins d'accès possibles pour l'équipe produit, pour les métiers, peu importe. OK? Comment est-ce qu'on définit un chemin d'accès? Vous faites juste app. Moi, je vois encore la population app.get. La méthode get, c'est ce qui permet de récupérer des informations dans une API. Et slash, et là, tac, c'est le chemin principal. OK? Donc, app.get slash, c'est juste la page d'accueil. Quand vous allez sur Internet, par exemple, c'est la page d'accueil que vous avez sur une page web, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque mon équipe produit va accéder à mon API, la page d'accueil, c'est ce chemin que je suis en train de définir. Jusqu'ici, c'est OK. Voilà. Une fois que j'ai défini la route principale, je vais faire dev. On va appeler ça route. Hein. On ne va pas inventer la route. Entre parenthèses, on va faire un truc très simple. Sur la page principale, notre API va permettre d'afficher le message Hello World. Bon, vous voyez, moi, Google Copilot me fait des suggestions. Donc, je fais return, message. Je vais mettre bienvenue sur le coin stat pour le coup. On va faire bienvenue sur le coin stat. Le coin où on redécouvre le monde de la data, peu importe. Voilà. Donc, je viens de créer tout de suite avec vous une API en fait. Donc, pour créer l'API, j'importe FastAPI, je crée l'application. Point get, c'est la définition d'un chemin d'accès, une route. Comment est-ce que mon équipe produit va faire pour accéder à la page d'accueil de mon application? Et à cette page d'accueil là, j'associe ce message. OK? Une fois que j'ai réalisé ce code en 3 étapes, j'enregistre bien sûr. Maintenant, il faut que je lance cette application. Une fois que vous avez défini ça, pour pouvoir lancer votre application, d'où l'intérêt d'avoir créé UVCon, on va faire UVCon comme ça. OK? UVCon main, ici c'est le nom de mon fichier main, ok, main 2.app, c'est comme ça qu'on / reload. Voilà, si j'exécute, ok, parce que je suis pas sur le terminal Python, c'est pour ça que j'ai cette erreur, ok. Maintenant, normalement, si je refais, tac, ok, je vais recommencer. Donc, je disais, on va faire UVCon ici, UVCon, ok, je mets main. App-rollout. J'insiste encore, vous n'avez pas besoin de retenir cette code. Moi, je ne la retiens pas. Je la révise avant le live. C'est pour ça que vous avez l'impression que je ne retiens pas du tout. Donc, ne vous auto-flagérez pas parce que en mon informatique, personne ne retient les codes. C'est très important de préciser ça. Il dit quoi? Already in use. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, on va recommencer. J'avoue, je ne comprends pas l'erreur que j'ai ici. On va faire
OK. J'ai fait clear. Ah, je ne suis même pas sur mon environnement habituel. OK. Source inf env slash bin slash activate. OK. Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? C'était de faire uvcon. Ah, je sais pourquoi c'est occupé. On va changer de port. J'ai de faire uvcon. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il faut ici? Il faut mettre main. .app Ah ok, je comprends pourquoi. Bon, ce qu'on va faire ici, 2 secondes, tac tac. Donc on va faire ça, on va plutôt faire ceci. On va changer de port avec le code que j'ai prédéfini ici. C'est parce que j'ai fait des tests tout à l'heure et j'ai dû utiliser un port clear. On va faire ça. Et là, je vais mettre par exemple 8080. OK. UVKON main app host 00. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà, là, ça marche. Effectivement, mon port était déjà utilisé. Normalement, de votre côté, ça doit marcher. OK. Une fois que j'ai fait ça, UVKON, vous avez juste besoin de faire UVKON main 2.app tiret tiret rollout. Pas besoin de spécifier le port comme moi. Tout à l'heure, c'est parce que mon port 8080 était déjà utilisé, donc j'ai dû changer de port. Si je copie ce lien pour vous montrer, tac, et que je colle ici, vous voyez, pourquoi c'est notre femme? Dit-elle notre femme? Si je fais slash docs, les alias du direct. OK. Je vais faire un truc simple. Je pense que je comprends pourquoi ça fait ça. Je vais supprimer toutes les images Docker que j'ai créées. Voilà. Delete forever. OK. On va reprendre tout doucement. CTRL C, clear, OK. Si je fais uvcon main.app rollout, c'est toujours une news. Et là, j'ai un bug. Est-ce qu'une personne peut... Qu'est-ce qu'il me dit là? Will watch change directory fast API document. OK. We can... Control C start process user. Ah, c'est juste... C'est lié au port que j'utilise. OK. OK, tac, on fait CTRL-C,
comme ça. On va faire... Il me dit, tu as oublié arrobas devant. Ah, ok, ça doit être ça. Il vérifie. Tac. Il me dit, tu. Ah, ok, merci beaucoup. C'est ça, oui, effectivement. Effectivement. Attends. Effectivement, si je pense, ça doit être ça. On va réessayer. Dans ce cas, on va faire CTRL-C. On va effacer. On va réutiliser. Le port précédent, c'était add. Est-ce que ce sera... C'est bien ça, add, get. Je pense que normalement, là, c'est bon. Là, on est bon, normalement. Et si je reprends ça, je copie. Je mets là. Effectivement, en fait, j'avais oublié le arrobas sur la création de ma route. C'est ce qui faisait en sorte que lorsque j'utilisais l'API face à API, ça ne marchait pas. Donc, n'oubliez pas comme moi, le arrobas juste ici, ça permet de définir un chemin, une route qu'on va utiliser dans notre API. Okay? Donc, tout marche bien. On a 200, tout est OK, on est content. Tout à l'heure, j'ai changé de port. Dans le code que j'ai mis ici, ça me permettait de changer de port. Donc, comme j'ai changé de port, voici le message de bienvenue. Bienvenue sur le coin stat. En gros, ce qu'on vient de créer là, c'est une API qui permet d'afficher un message. Cette application, c'est uniquement disponible de mon côté en fait. L'équipe produit ne peut pas utiliser ce lien. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rendre ce lien accessible à tous et à toutes? Maintenant, c'est d'où l'intérêt de Docker. On va créer une image de l'application, on va créer un container aujourd'hui avant de déployer sur le cloud lors du prochain live. OK? Donc, première étape, vous allez comprendre justement l'intérêt d'avoir créé l'environnement virtuel sur lequel on travaille. Donc, c'est l'espace de travail. Je vais arrêter mon application. Avant d'avancer, est-ce que tout le monde est au même niveau que moi? Dites-moi dans les commentaires. Oui, Natacha, on est avec toi. On a créé notre API. On a compris comment l'API fonctionne. Si c'est bon, on peut passer à la partie Docker. Est-ce que tout le monde est à ce niveau? Merci à tous et à toutes pour votre attention. Cédric notamment, Abdoul, merci. La notation super. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut parler de Docker maintenant? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui va être création de l'API? Donc, l'API, c'est vraiment simple. On peut sophistiquer. Vraiment, au niveau des fonctions, vous pouvez créer ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur cette application de base qui affiche un message « Hello World ». OK? On peut rajouter d'autres routes. Si je rajoute une autre route, par exemple, ici, je fais « CTRL-C ». Slash, je vais appeler ça data entre guillemets. La base de données. OK. Voilà. Et ce qui est bien avec, en fait, FastAPI, c'est juste le fait de pouvoir avoir la documentation en faisant slash docs, comme ceci. Docs. Et là, vous voyez,
Vous voyez la documentation avec les il y a deux, j'ai créé deux chemins. Premier chemin, c'est le chemin principal. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez tester ici en cliquant sur Try. Qu'est-ce qu'on on peut faire ça là? On peut faire exécuter. Et on aura quoi? On aura bienvenue sur le point stat 200. Ici, pareil, le deuxième chemin que j'ai créé, c'est data. Je peux essayer. Supposons que c'est le chemin d'accès vers la base de données pour l'équipe produit. Et qu'est-ce qu'on aura? La base de données. OK? Donc là, c'est la documentation cfs/data que j'ai rajouté. J'aurai accès à la base de données. Vous pouvez imaginer, vous faites un slash modèle, un slash ceci, un slash. Donc, à chaque fois qu'on définit une route, ça, c'est la méthode get. On a uniquement les informations. Il y a les méthodes put, post. Je ne vais pas entrer dans ce détail aujourd'hui, en tout cas. Mais la méthode get permet de recevoir des informations. VS Code. Voilà. Il y a Waris qui me dit let's go, let's go, let's go. Si c'est OK pour vous, on peut passer à la prochaine étape. En quoi on va consister la première étape? Première chose qu'on va faire, c'est déjà, je vais arrêter l'application en faisant CTRL-C. Okay. J'ai cliqué sur mon terminal pour effacer, pour que ce soit propre. Ce qu'on va faire maintenant, supposons qu'on a fini notre projet, on veut figer l'ensemble des packages qu'on a utilisés, les versions, et tout. Il y a une syntaxe simple que vous devez utiliser en général en Python. C'est tout simplement, je pense que j'ai oublié d'ailleurs, c'est Python, on va tester Python freeze, je suis plus sûre, je vais tester quand même, requirement.txt, ok. Est-ce que j'ai un doute quand même? Effectivement, j'ai un doute. Je vais supprimer ça. C'est PIP. Freeze. C'était PIP freeze ou bien plutôt freeze. PIP freeze. Requirement.txt. Ah, c'était PIP freeze. Voilà. Du coup, ça c'est une syntaxe magique que vous devez retenir. Vous avez fini votre projet, vous avez à tout développer. Vous faites juste un PIP, freeze, supérieur, requirement.txt. Qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Vous voyez ici, il y a un nouveau fichier, requirement, qui a été créé dans mon dossier. Si j'ouvre ce fichier, vous allez voir la magie. Dans ce fichier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'ensemble des packages qui ont été installés dans mon environnement virtuel. OK? D'où l'intérêt d'avoir créé l'environnement virtuel, de telle sorte qu'on va installer uniquement les packages nécessaires pour ce projet spécifique. C'est la raison pour laquelle je vous ai recommandé de faire un environnement. Parce que si je faisais PIP freeze sur mon Python de base, j'aurais installé tous les packages, même ceux qui ne sont pas nécessaires. Le fait d'avoir créé sur l'environnement virtuel, travailler sur l'environnement virtuel, fait en sorte que j'ai uniquement les packages qui ont été installés sur cet environnement virtuel. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas Panda. On a le package, en fait, là, c'est le nom du package et la version. Nom du package FastAPI et sa version, UVCon et sa version. Voilà. Donc, ça, c'est une fonction que je vous recommande de toujours d'avoir à l'esprit, client. Donc, pour pouvoir savoir quelles sont les versions de mes packages qui sont utilisées dans ce projet en question, je fais un PIP, freeze, et là, je vais mettre requirement, et je mets le PIP, freeze, supérieur, requirement.txt. Avec ça, je vois mon fichier requirement que je vais pouvoir utiliser. Vous allez comprendre l'intérêt du fichier requirement sur la partie Docker. OK. Voilà. Est-ce que tout le monde a son fichier requirement? Mettez juste le point en l'air. Dites Natacha, let's go. Et on passe à la création des images Docker. Vous allez comprendre. L'image Docker, c'est tout simplement cet environnement qui va faire un peu... C'est comme si ça faisait une photo de votre projet. Et dans cette photo de votre projet, ça va mettre le système la version de Python utilisée, le système d'exploitation, les packages, les codes, les bases de données. C'est ça, en fait, la photo. Donc, on va devoir créer, pour pouvoir travailler avec Docker, on commence par créer une image. Après avoir créé l'image, on crée ce qu'on appelle un conteneur qui sera juste l'exécution de
cette image-là sur la machine virtuelle qu'on aura créée. C'est ça, l'intérêt. Il y a Kevin qui me dit, tout est OK de son côté, alors let's go pour la partie Docker. Pour travailler sur Docker, on va faire un truc, on va d'abord quitter, on va désactiver notre environnement virtuel. Voilà. Donc, on va faire, tac, 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 source deactivate. OK? En faisant source deactivate, ça désactive mon environnement virtuel. Pourquoi je désactive? Parce que j'ai fini mon projet. OK? Une fois que j'ai fait ça, première chose qu'on va faire, c'est créer un dossier Dockerfile. Un Dockerfile. Le Dockerfile, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de créer l'image dont je vous parle. L'image du projet, c'est quoi? C'est le projet avec les données, avec les codes, avec les requirements, avec les packages, etc. Donc, on va commencer par créer notre Dockerfile, juste ici, OK? On revient ici, sur notre projet. Vous voyez là? Je clique ici, et là, je vais créer mon Dockerfile. Donc, je fais ici, clic, j'écris Dockerfile, Dockerfile. Voilà, j'ai créé mon fichier Docker. Donc, il va me permettre de faire la capture, l'image de mon application. Et qu'est-ce que je vais mettre dans ce projet? J'insiste encore, les amis, vraiment, ne cherchez pas à retenir les codes. À force de travailler, vous allez comprendre les codes. Comprenez juste la logique, comment ça marche, et vous allez voir, tout va bien se passer. Dans le Dockerfile, premier point à ajouter, c'est ce qu'on appelle la version de Python qu'on va utiliser. Bien, de récupérer, en fait, dans le système Docker, quelle version de Python sera utilisée dans notre machine virtuelle. Si je mets par exemple ici, Docker, Python, Mesh, vous montrez en fait l'ensemble des images de Python qui sont disponibles sur Docker. Vous avez toutes les versions ici. En général, on utilise la version Slim. Vous voyez, c'est pas ici, voilà toutes les versions de Python qui sont disponibles sur Docker. OK? Donc, nous, on va choisir la version. Dans mon ordinateur, moi, j'ai une version Python. J'ai une version Python 3. J'ai la version Python 3.11. Donc, si je fais par exemple ici Python. Non, ici, si je fais Python. Pour avoir la version, vous faites juste Python. Ici, vous faites tirer version. Vous voyez, moi, j'ai la version 3.11.7. Donc, sur Docker, je vais prendre également la version 3.11. Les images de quoi qui existent ici. Est-ce qu'il y a une version 3.11? Oui. Il y a la version 3.11. Et en général, on va utiliser la version Slim. Tac, tac. 3.13. Vous pouvez utiliser la dernière version, mais pour des soucis de compatibilité, je vais rester avec la version de Python que moi j'ai sur mon ordinateur, qui est la version 3.11. Est-ce que je trouve la version 3.11 Slim? Je ne la retrouve pas. Pourquoi? La 3.12, la 3 Slim. Ouais, OK. Bon, on va juste créer déjà, récupérer l'image de Python qui est disponible ici. Donc, ce que je vais faire dans mon Dockerfile, là, voilà, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre from. En gros, c'est sur la base des images de Python. Vous voyez ici, base image. Donc, des images de Python qui sont disponibles sur Docker. From Python, OK. Je veux la version 3.11 parce que mon ordinateur, et je vais prendre la Slim parce que mon ordinateur, en fait, c'est 3.11. Vous voyez, il y a toutes les versions 3.11. Moi, je prends celle-ci. Vous pouvez prendre la 3.8 Slim ou autre. Bon, ici, on a notre image Python. On a l'image Python comme base de notre application. Sur Docker, c'est comme si je veux également créer un répertoire de travail sous Docker. OK? Donc, deuxième étape, c'est définir un répertoire de travail. Répertoire de travail dans le conteneur. OK? Là, c'est Google Copilot qui me propose le code et c'est effectivement, c'est ça. Je vais accepter ce code. Pour définir le répertoire de travail dans mon conteneur, je fais workg/app. En gros, c'est le dossier qui sera disponible sur Docker. Donc, je fais workg/app. OK. C'est dans mon environnement virtuel, si je peux appeler ça comme ça. Une fois que j'ai créé le dossier dans l'environnement virtuel Docker, la prochaine étape, ce sera premièrement de copier le fichier requirements
dans App, en fait, dans le dossier App que j'ai défini ici, il faut que je rajoute mon fichier requirements qui va contenir l'ensemble des packages, l'ensemble des versions des packages que j'ai utilisées. Donc, Copilot m'a proposé de dire copie le fichier requirement.txt dans le container. Je tape entrée. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour copier sous Docker? Vous avez ici copy. OK. Requirement.txt. C'est mon fichier qui est juste ici. Et je vais mettre ça où? Je vais mettre ça dans App. Voilà. Donc, je copie le fichier requirement.txt qui est ici dans mon espace de travail. Je mets ce fichier dans App, qui est mon répertoire de travail dans mon environnement virtuel, dans le conteneur Docker. C'est ça, en fait. Donc, je copie ceci, que je mets ici dans l'application. Une fois que j'ai copié cela, je peux donc installer. Je vais donc installer tous ces packages-là dans cette machine virtuelle, dans ce conteneur. Et comment est-ce qu'on fait pour installer? Il fait « Installe les dépendances ». OK, comment est-ce qu'on fait pour installer les dépendances? On fait juste « run ». Vous voyez, ça, c'est Copilot qui me propose ces codes. OK. On va juste faire « run pip install-r requirement.txt ». Donc, jusqu'ici, on n'a pas fait grand-chose. On a créé notre Dockerfile. OK. On a pris une image de Python disponible sous Docker. On a pris la version 3.11 Slim, qui est la moins lourde. On a créé un nouveau répertoire de travail pour notre conteneur. On a copié le requirement.txt dans notre dossier app. Et maintenant, on va installer l'ensemble des dépendances. C'est ce qu'on a fait jusqu'ici. OK, c'est une autre machine virtuelle. On fait run pip install requirement.txt existe déjà dans mon répertoire de travail, donc je peux faire run requirement.txt. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, une fois de plus, Copilot me propose la suite de ce live, c'est magnifique. Il me dit de copier le contenu du répertoire courant dans le conteneur. En gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je veux copier le contenu de ce répertoire-là, de mon projet. Okay? Tout ce qui est dans mon projet, je vais copier ça. C'est comme si je faisais une photo de mon projet dans Docker. Donc, je prends tout ça, je fais une photo, je mets dans Docker. OK? Tac. Et le code pour le faire, c'est ça ici. Copie, point. Pour dire, recopie tout ce qui se trouve dans cet espace et colle cela dans l'environnement Docker que j'ai créé. Avant d'avancer, est-ce qu'il y a des questions? Avant d'avancer, parce qu'on a déjà fait pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il faut absolument nommer le fichier Dockerfile? Je n'ai pas testé autrement, mais pour pouvoir utiliser Docker efficacement, je vous recommande d'appeler ça comme ça. Je n'ai pas encore testé d'alternative, donc je ne peux pas te répondre sur cette question, Waris. Moi, j'utilise toujours Dockerfile. Il y a Vanessa qui a posé une très, très belle question. Très belle question. En fait, effectivement, elle se dit, en fait, pourquoi est-ce que j'ai copié? Regardez ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon environnement de travail, mon dossier app. J'ai copié le requirement et j'ai installé les packages. Puis, j'ai encore copié tout le répertoire. Et elle me dit, en fait, le fait de copier requirement, c'est redondant. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez relancer un conteneur, s'il y a des modifications, en fait, si vous faites une petite modification dans le dossier courant, si vous essayez d'importer tout le dossier ici avant d'en... voilà, je me reprends. En fait, il peut arriver que le fichier requirement ne change pas, entre guillemets, mais que votre dossier ait changé. Le fait de commencer par copier le fichier avant
va éviter, si le fichier n'a pas changé, ça va éviter d'installer à chaque fois les dépendances, tout simplement. Le fait de faire ceci, dans la pratique, les dépendances ne changent pas du tout dans le projet. Lorsque vous développez un projet de machine learning, vous changez difficilement les versions de vos packages. Ça veut dire que le fichier requirement ne va pas changer. Par contre, vous pouvez changer le code principal, vous pouvez changer les fichiers. À chaque fois que vous exécutez une instance de Docker, ça va installer, ça va réaliser toutes ces actions-là. Donc, si vous avez mis copy app avant, à chaque fois, ça va installer vos packages. Et ça, c'est une perte de temps, entre guillemets. Étant donné qu'on sait que requirement.txt ne va pas souvent changer, je commence d'abord par copier requirement.txt, j'installe mes packages et là, je recopie tout. Si je recopie tout avant d'installer mes packages, à chaque fois qu'il y aura des changements dans l'app, il va toujours installer les packages. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait ces manipulations, Vanessa. C'est vraiment d'un point de vue pratique pour éviter, c'est surtout pour éviter de faire cette ligne-là tout le temps que je fais ça. C'est pour éviter ça. Voilà. On verra ça tout à l'heure dans le contenu. OK. Maintenant, on a copié l'ensemble des éléments. On va donc créer une commande qui va permettre d'exécuter notre application FastAPI sous Docker. OK. Bon, ici, il me dit d'exposer le port. Je ne vais pas exposer le port. Je vais écrire commande pour exécuter. L'application. Donc, vous voyez ici, pour exécuter l'application, je vais mettre ici FastAPI. OK. Voilà. Comme ça, il me complète déjà pas mal de choses. Mon copilote. Voilà. Pour pouvoir exécuter l'application sur Docker, vous mettez CMD. UVCon, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. UVCon qui est juste là. main$app, c'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure. On va préciser le host ici. Je vais prendre quoi ? Je vais prendre 00. OK. Host ici, je vais mettre 300.0.0.0.0. OK. On va rajouter également le port. Tout à l'heure, j'avais un port qui avait le port 8000 chez moi, il est déjà utilisé. Donc, je vais utiliser le port 8080. Je ne sais même pas pourquoi je choisis celui-là. Et on va faire rollout. Voilà. Ah. Voilà. Donc, voici la commande qui permet d'exécuter l'application FastAPI sur Docker. Je mets la commande UVCon. Main app, OK. Host, je mets l'adresse. Je choisis le port. Je mets le port ici et rollout. Voilà. Je vois que vous vous encredez entre vous. Franchement, ça, c'est génial. Ça, c'est l'intérêt des Weekly Analytics Show, les moments où on progresse tous ensemble. Voilà. J'ai créé la commande qui permet d'exécuter l'application FastAPI sur Docker. Maintenant, je vais donc construire mon conteneur. Pour pouvoir construire cela, je reviens ici sur le terminal. Qu'est-ce que j'écris dans le terminal? Je vais écrire Docker. Je vais dézoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Je vais écrire Docker build-t. Pour donner le nom. Quel sera le nom de l'image, en fait, que je vais créer? Pour construire cette image, je fais build-t. Je vais appeler ça comment? Je vais appeler ça test-fast-api. Je vais appeler ça test-fast-api. À partir de quoi je vais construire cette image? À partir du fichier qui est juste ici. Par exemple, laquelle j'ai mis ce point. Donc, j'ai créé mon Dockerfile. J'ai oublié une étape essentielle. C'est de créer le docker.ignore. Le docker.ignore pour préciser quel type de fichier on doit ignorer au moment de l'exécution. Donc, ça, c'est pas ça, je vais créer ici. On va créer ici un fichier point docker.ignore qui va permettre en fait de spécifier le type de fichier
je ne veux pas qu'il copie tout ce qui est dans mon environnement virtuel que j'appelais comment? J'appelais ça comment? Inf, ok? Je ne veux pas qu'il copie tout ce qui se trouve dans mon environnement virtuel. Qu'est-ce qu'il ne veut pas d'autre? Le pie cache qui est juste là. Je ne veux pas que ce soit copié. Tu fais ici. Pie cache. Ok. Je ne veux pas que le pie cache soit... soit... Il aussi... Ça, ce n'est point que je copie. Point. Inf. Voilà. Je ne veux pas que ceci soit copié. Tout ce qui ressemble à ça soit copié. Ou encore ceci. Étoile. Point. Voilà. Donc, j'ai créé mon dockerfile.ignore pour préciser les types de fichiers que je ne veux pas exécuter. Et maintenant, je reviens sur mon dockerfile. Je vais donc construire l'image. Pour construire l'image, docker bull-t pour donner un nom. Test fast API. J'appelle ça test fast API. Je fais point. J'exécute. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai des erreurs, ça c'est pas cool. L'adresse est déjà utilisée. Ok, bon, on va chercher. On va changer d'adresse alors. En fait, tout ça, c'est parce que j'ai déjà utilisé le port 80, le port 8000. Je vais reprendre voix. Il me dit... J'ai bien fait CTRL S en fait. CTRL S aussi là. Je ferme ça. Dockerfile. De votre côté, est-ce que ça marche? Dites-moi si ça marche chez vous. Ah oui, c'est là, ça marche. C'était effectivement CTRL S. Parfait. Merci beaucoup, Ibrahima. Donc, j'ai fait mon CTRL S. Je viens de créer l'image Docker. Une fois que j'ai créé l'image Docker, vous pouvez voir l'ensemble des images que vous avez créées en faisant un Docker image comme ça. Et là, l'image qu'on avait créée, c'était ceci. Test fast API. Donc, c'est l'image que je viens de créer ici. OK. Lorsqu'on a créé l'image, on n'a pas encore exécuté, en fait, notre conteneur. Pour pouvoir l'exécuter, il y a une autre commande qu'on va utiliser ensemble. N'oubliez pas de faire un CTRL S sur vos deux fichiers gitignore. Une fois que vous avez fait le CTRL S, vous exécutez cette commande. Docker build-t test fast API, vous mettez un point pour dire j'exécute ce qui se trouve dans le fichier actuel. Une fois que c'est fait, on va donc faire un run. Encore, on va lancer une des images. Je vais prendre l'image ici. C'est cette image qui va lancer. Pour exécuter cette instance, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez Docker comme ça. Donc, je vais d'abord effacer tout. Est-ce que je me rappelle du nom? Je vais copier le nom. Tac. Copier. Je vais faire run comme ça, tiret P pour préciser le port. Je peux mettre 8080, ça c'est mon local. 8080, la correspondance côté Docker, ok, le port. 8080. Et enfin, on va rajouter le nom de l'image qu'on veut exécuter. C'est test fast API. Donc je reprends. J'ai créé l'image, maintenant je vais exécuter cette image. Je fais docker run-p, le port côté 8080, et faire run. Voilà. Et là, il m'a donné une nouvelle adresse. Cette fois-ci, c'est sur la machine virtuelle sur laquelle j'aurai accès
à mon application. Pour tester mon application, je peux juste ouvrir ici. Ouvrir ici, tac. Oui, avec le nouveau lien, j'ai toujours accès à l'appli, à l'API que j'ai développée. Et cette fois-ci, c'est sous Docker. Si par exemple, j'ai fait doc/doc, j'ai accès à la documentation avec les chemins d'accès que j'ai développés, etc. Donc, avant d'avancer plus loin, est-ce que tout le monde a atteint ce niveau de création de l'API sur, je vais appeler ça sur la machine virtuelle Docker. Est-ce que vous avez créé votre conteneur? Vous avez pu l'exécuter de votre côté? Est-ce que tout marche bien de votre côté? Donc, je réponds encore à quelques questions. Merci Yannick. Je réponds encore à quelques questions. Il y a Chilote qui dit top le doc git ignore, on peut tout aussi ignorer et ne pas garder que les fichiers qui nous intéressent. Oui, on peut aussi le faire. Mais ça, c'est une pratique courante en général. Précisez sur quel port votre machine. Ouais, c'est ça, 8080 de mon côté. De votre côté, probablement, ce sera 8000. Il y a Waris qui me dit c'est tout OK pour moi. Génial, Waris, ça fait plaisir. Ça. Est-ce qu'il y a une autre personne, tout est OK de votre côté aussi? Comme ça, je vais vous montrer une dernière manipulation avant qu'on s'arrête. Vous voyez ici, je viens de créer en fait, je viens de créer un conteneur pour mon application. Le fait est que, imaginez-vous, je modifie, si par exemple je modifie, par exemple ici, je vais mettre bienvenue sur le coin stat. Aujourd'hui, nous sommes le 13, quoi. Nous sommes quand? Je n'ai pas la notion de date, moi. Le 12 ou le 13, je ne sais même plus. Le 14, en fait. Oh, je suis... Nous sommes le 14 avril. OK. 2024. Supposons que je modifie comme ça. On est d'accord, je viens d'envoyer mon application sous Docker, j'ai créé un conteneur, j'ai créé une image. Imaginez-vous, je modifie ce fichier, j'ai fait un CTRL-S. J'ai fait un CTRL-S. Si je reviens sur le site ici, si je reviens sur mon lien ici, vous voyez que la modification que j'ai prise en compte sur mon dossier en local n'a pas eu d'impact sur l'image Docker, sur le contenant en tout cas que j'ai créé. Parce que vous voyez le port, il y a toujours bienvenue sur le coin stat, il n'y a pas de date. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas rendu en fait la mise à jour automatique. Lorsque je modifie sur mon dossier en local, automatiquement, le conteneur, l'image du conteneur doit être modifiée pour avoir un rendu dynamique. Pour faire ça, au lieu de réaliser, de construire les images, donc comme j'ai fait, au lieu de construire le conteneur avec le fichier Dockerfile, il y a un autre fichier qui est plus intéressant que je vous recommande de construire pour prendre les bonnes pratiques sous Docker. C'est de construire ce qu'on appelle le Docker Compose YAML. C'est quoi YAML? C'est ça. Donc, au lieu d'utiliser uniquement le Dockerfile, comme je l'ai fait, ce qu'on va faire ensemble tout de suite, dites-moi si vous êtes à la ligne, c'est la dernière manipulation. La prochaine fois, on va voir comment est-ce qu'on quitte de ce Docker pour arriver sur le cloud. Il y a beaucoup d'informations, raison pour laquelle j'ai fait ça en deux lives. Premier live, on voit les principes, c'est quoi faire cette API, comment est-ce qu'on crée une API rapidement, on met en place des routes, ça c'est OK. Comment est-ce qu'on crée une image Docker, qu'est-ce qu'il faut modifier, la définition des ports, ça c'est OK aussi. Maintenant, on va passer à la mise à jour. Comment est-ce que je rends dynamique? À chaque fois que je modifie mon main, il faut que le Docker soit réactif. Il faut que mon conteneur soit également réactif. Vous voyez ici, j'ai modifié. Aujourd'hui, c'est le 14 avril. Mais si je reviens sur mon API, ça n'a pas pris en compte la modification parce qu'il n'y a pas encore de connexion entre Docker et ce qui se trouve sur mon répertoire en local. Avant de vous montrer comment on fait, il nous reste 13 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, tout est OK. Je vois, il y a Lionel qui me dit, c'est très intéressant. Merci Lionel. Il y a Kevin qui est là, super. Tout est OK pour vous. Ceux de LinkedIn, est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez compris les subtilités qu'on a vues aujourd'hui? C'est purement technique en fait. C'est purement, purement technique. Voilà.
J'attends juste vos likes avant de continuer. Dites-moi, ok, Natacha, c'est ok. Ah, il y a Benjamin qui était là. Salut Benjamin, ça fait plaisir. Je n'ai pas de retour. Ça veut dire que tout est ok alors. Ok. Bah, si tout est ok. Si ce n'est pas ok, dites-moi aussi que ce n'est pas ok. Vous allez le voir en replay. Ça me fait aussi plaisir de le savoir. Ce qui était. Il y a Alain qui est venu en retard. Ce n'est pas grave, Alain. Suis. Yannick qui me dit c'est ok. Merci Yannick. Merci Kevin. Ok. On va donc continuer. Cette fois-ci, on va créer le fichier YAML pour rendre en fait les modifications dynamiques sur notre conteneur. Voilà. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Pareil ici, on va rajouter un nouveau fichier. Comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler Docker Compose. Compose. Point. Voilà, c'est ce fichier qu'on va créer ensemble. C'est ce fichier qu'on va créer ensemble. Et pour le créer, là, je vais aller un peu plus rapidement. Voilà. On va rajouter la version qu'on utilise. Ici, moi, j'utilise la version 3. Et puis, donc, OK. Ça, c'est le premier élément qu'on rajoute dans ce fichier. Oui, automatiquement, Copilot me propose comment construire ce fichier. Ça, c'est l'intérêt d'avoir Copilot. On va définir le service. Nous, ce sera un service web qu'on veut créer. Donc, ici, je vais même tout accepter. Okay, comme ça, on va définir tout ensemble. Le service, ce sera un service web. Je vais rajouter ici, bulle, où est-ce que je souhaite construire dans le dossier actuel. Okay. C'est pour ça qu'ici, vous voyez le point qu'il y a juste là. Avant de définir le port, je vais créer juste ici. Qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer le nom de mon conteneur. Conteneur name. Ok, je rajoute l'option conteneur name ici. Qu'est-ce que je rajoute dans le nom de mon conteneur? Je rajoute par exemple ici, je vais appeler ça quoi? Machine learning. Machine learning, ok, c'est le nom de mon conteneur. Une fois que j'ai créé le conteneur, je dois préciser ce qui va se passer lorsqu'on a accès à ma page principale, là, de mettre commande. La commande, vous voyez la commande qu'on a définie dans le fichier Dockerfile, juste là, on va le définir ici, dans ce fichier. Je précise la commande. En gros, c'est la commande qu'on utilise pour pouvoir lancer l'application. On va faire uvcon main app-host. OK. On va mettre 0.0.0. Point. Le port, moi, je vais utiliser le port 8080. Et faire un rollout. Voilà. J'ai défini la commande qui permet d'exécuter, en fait, l'application Fast API. Je rajoute le port 8080, comme ça. 8080. Donc, je fais le mapping entre le port 8080 de mon ordi et celui de Docker. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai rajouté le port. Une fois que je rajoute le port, je vais rajouter justement l'option qui permet d'assurer le dynamisme entre mon dossier local et le répertoire Docker. C'est ce code ici, c'est le volume, juste là. Volume, point, c'est tout ce qui est dans mon répertoire local. Il faut que ce soit synchronisé avec. Ici, je vais mettre plutôt app. App, c'est le nom Docker que j'ai choisi. Donc, tout ça, moi, je n'ai pas besoin de ça. Voilà, je n'ai pas besoin de tout ça. OK. Je vous explique progressivement ce que j'ai fait. La version, c'est la version 3. Je précise le service que je vais utiliser. Ce sera un service web. Build, je vais construire tout ce qui est dans le répertoire actuel. Le nom de mon conteneur, je vais appeler ça Machine Learning, par exemple. La commande, qu'est-ce qui va s'exécuter lorsque je lance le conteneur? C'est ça. UVCon, c'est ce qui permet en fait d'exécuter l'application Fast API.
main, c'est ce fichier. Deux points app, host, je précise le port, relap, juste pour charger au cas où c'est déjà exécuté une première fois. Ici, au niveau de port, j'ai fait le mapping entre mon port et celui de Docker. Volume, c'est ce qui permet en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, si je modifie mon main, ça n'impacte pas en fait le dossier qui est dans Docker. Donc ici, je fais la machine virtuelle. Point. Je fais le mapping entre mon répertoire actuel et le dossier slash app. Voilà ce qu'on fait pour pouvoir rendre les deux dynamiques. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on exécute? Je vous laisse le temps de faire de votre côté. Prenez votre temps. Vous qui êtes en replay, pratiquez. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour soutenir la chaîne parce que c'est comme ça qu'on progresse ensemble. Et c'est comme ça que vous arrivez à... C'est comme ça qu'on va grandir. Et c'est comme ça que j'aurai plus de temps et plus d'énergie pour partager tous ces lives avec vous. Voilà. Jusqu'ici, est-ce que tout le monde a créé le fichier Docker Compose? Si vous avez créé le fichier Docker Compose, mettez un gros pouce en l'air, comme d'habitude. Vous qui êtes en replay, vous avez créé le fichier GitHub Compose, Docker Compose, mettez le pouce en l'air. Je vous ai expliqué tous les éléments. Version 3, service, web, le dossier de construction, le point, dossier actuel, le nom du conteneur, la commande que je vais utiliser, le port, et rendre synchrone les deux dossiers. En fait, voilà, rendre synchrone les deux dossiers. Si vous me dites que c'est OK, mais si, entraidez-vous, ça me fait plaisir de voir que vous vous entraidez dans les chats, parce qu'il y a énormément de choses à faire. C'est pour ça qu'on va faire ça en deux lives. Premier live, c'est l'introduction de vous. On a vu c'était quoi Docker, comment ça marche. Second live, on va voir comment est-ce qu'on passe de Docker au cloud. OK? Second live, on va voir comment est-ce qu'on passe de ce Docker à la partie cloud pour rendre accessible. Une fois que c'est fait, on a fait ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut que je fasse mon application. CTRL-C. J'efface tout ça. Voilà. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a fait ça, il faut donc construire l'image et de lancer l'application. Comment est-ce qu'on fait ça? Cette fois-ci, une fois que j'ai construit mon fichier YAML, j'enregistre. J'ai bien fait le contrôle. Et cette fois-ci, je vérifie que tout est OK. J'ai la version, j'ai le service, j'ai le web, j'ai build, j'ai le conteneur, le nom du conteneur. La commande qui va être exécutée, c'est bon. Main app, -host, le port 8080, voilà. Je fais le mapping des deux ports. Je synchronise mon dossier actuel en cas de modification avec le dossier app. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut rajouter? On va juste écrire Docker. Ici, on va écrire Docker Compose. Hop, -build. Donc, on va construire. J'exécute. Voilà. Et là, je viens de créer le conteneur. Vous voyez, c'est accessible ici. Je copie ce lien. Vous allez voir la puissance. Pourquoi est-ce que j'ai rajouté justement ce volume? Vous allez voir la puissance de la syntaxe volume. Je mets là. Tout marche bien. Vous voyez ici, j'ai message bienvenue sur le coin stat aujourd'hui, le 14 avril 2024. OK? C'est ce qu'on a. Vous allez me dire, OK, on avait déjà modifié ça depuis longtemps. Je vais faire un test avec vous. Vous allez voir de quoi je parle. Pourquoi j'ai rajouté cette option volume. Si je reviens dans le main, ici, ah, je n'avais pas enregistré, et que j'enregistre ça, je vais rajouter ici, bonjour à tous et à toutes, parce qu'il y a aussi des formes, CTRL-S. Oui, comme ça, le CTRL-S, déjà, ça va mettre à jour directement le fichier. Et si je reviens ici, en réexécutant le port, vous voyez, automatiquement, ça a changé. Avant, lorsqu'on n'avait pas rajouté l'option volume, quand on modifiait des éléments sur le main, ça ne modifiait pas notre image Docker, ça ne modifiait pas notre conteneur. Et du coup, sur le lien qu'on a créé,
rien ne changeait. Maintenant, comme j'ai rajouté cette option volume et j'ai synchronisé dans mon YAML là, j'ai synchronisé mon dossier actuel et app, à chaque fois que je vais apporter, par exemple ici, fait la base de données, à chaque fois que je vais rajouter, par exemple là, j'enregistre, CTRL-S, à chaque fois que j'enregistre des éléments, vous voyez, automatiquement, ça impacte l'image Docker, automatiquement, ça impacte mon conteneur, automatiquement, tac, si je fais par exemple ici, slash, c'est des data, vous voyez, automatiquement, tout a changé. Donc voilà comment est-ce qu'on construit le conteneur, comment est-ce qu'on crée des images Docker. La prochaine étape, quand vous avez fait ça, j'ai eu la question, la prochaine étape, c'est justement de connecter Docker qu'on vient de créer avec un service cloud pour rendre cela accessible à tous. Le service cloud que vous pouvez utiliser, par exemple, c'est Google Cloud Platform, AWS ou autre. Et après, ça fonctionne comme GitHub, en fait. Je peux faire des Google Cloud Pull, Push et autres. Je vous montre la syntaxe, mais on reviendra sur cette syntaxe-là en général. J'avais noté le lien, voilà. Une fois qu'on a créé l'image Docker, on a créé le conteneur, on peut donc déployer cela sur le cloud. Et pour déployer cela sur le cloud, regardez, franchement, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premier élément, c'est d'abord créer... Je vous donne un peu la picture globale. Okay? Une fois qu'on a créé cette image Docker, ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer cela sur un service cloud, par exemple Google Cloud. Ouais, il faut d'abord connecter. Il faut d'abord connecter votre Docker et Google Cloud. Et pour connecter cela, est-ce que j'ai le code ici qui permet de connecter? Je crois que c'est là qui présente comment est-ce qu'on connecte Google Cloud et Docker. Push. Comment est-ce qu'on connecte? Ça, c'est la création Docker Tag. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une image, en fait, de notre image. Ça, c'est la première étape. Une fois que c'est fait, il faut connecter. Voilà. Ça, après, il faut faire un push sous Google Cloud. Mais avant de faire le push, il faut connecter Docker et Google Cloud. Bon, j'ai déjà la syntaxe ici dans mes notes. Pour connecter Docker et Google Cloud, la syntaxe est celle-ci. On va parler dans ce schéma-là aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer un peu l'idée. C'est quoi les next steps, en fait? Next step, c'est d'installer un service cloud. Voilà, je fais CTRL-C pour tout effacer. Je fais un clear. Vous voyez, le code, si vous avez GCP, moi, ça va marcher parce que j'ai installé GCP. Oui. Vous avez Google Cloud, l'autorisation, configuration. Vous connectez en fait Google Cloud et Docker. Une fois que vous avez connecté Google Cloud et Docker, vous allez faire une capture en fait de votre image Docker que vous venez de créer. Pour faire cette capture, c'est juste créer un tag. Vous faites Docker tag, l'image que vous venez de créer. Vous mettez ça dans ce dossier. Là, c'est le projet Google Cloud que vous avez et vous mettez le nom de cette image sur Google Cloud. Lorsque vous avez mis le nom de cette image sur Google Cloud, vous avez fait un push, en fait, pour envoyer l'image sur Google Cloud. Donc, tout ça, ce sera l'objet de notre prochain live. En attendant, posez toutes vos questions. Je suis disponible pour y répondre. Il y a Idriss qui dit, c'est vraiment intéressant, j'apprends de très bons concepts. Ça me fait plaisir, Idriss, c'est l'objectif. Je prends la question de Waris. Si je dois partager cette API avec le service IS, comment? C'est l'objet du prochain live, Waris. C'est ce que je disais, en fait. Il faut que tu déploies cela sur le cloud. Et pour déployer, c'est un peu comme ce GitHub. Il y a les pulls, il y a les push et autres. Ça, on va voir ça durant le prochain live. Si tu as avancé, n'hésite pas à lire la documentation que je vais partager avec vous tout de suite. Tu pourras suivre la procédure. Déjà, il faut que tu crées un compte Google Cloud. Une fois que tu as créé le compte Google Cloud, tu crées un projet Google Cloud. Tu connectes Docker et Google Cloud. Ensuite, tu pourras faire un push. Et c'est ce qui va permettre, en fait, de rendre votre projet accessible à tous et à toutes. Est-ce que c'est clair pour toi, Waris? Pendant le prochain live, on va faire ensemble le déploiement vers le cloud. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on crée des images Docker, comment est-ce qu'on crée des
conteneur. Et comment est-ce qu'on rend cela dynamique? Il manque une étape de déployer sur le cloud. Et ça, c'est le prochain live. Une personne du même service, il faut forcément partager cela sur un serveur Waris. Il faut forcément partager cela sur un serveur commun. Et de plus en plus, les entreprises utilisent le cloud, en fait. De plus en plus. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je parcours rapidement. Ah, je t'ai vu, Marc. Ce soir, je t'ai vu, Marc. En fait, Marc, c'est un de mes collègues. Il me taquine chaque jour pour dire qu'il voit mes lives. Ça me fait plaisir de te voir, Marc. Je t'ai vu aujourd'hui. Mais il n'écrivait jamais de commentaires. Je t'affiche. Je t'ai vu ce soir, Marc. C'est bon. Est-ce qu'il y a des commentaires? Où est-ce qu'on peut retrouver le replay? Je vous montre. Vous allez sur le CoinStat, la chaîne YouTube, le CoinStat. Vous aurez accès au replay. Vous allez sur Internet, vous tapez le CoinStat. Ah, vous ne voyez pas mon écran. J'ai deux écrans. Vous tapez sur Internet le CoinStat, tout collé comme ça. OK? Vous tapez tout collé. Et sur la chaîne YouTube, vous voyez, la vidéo est disponible ici, c'est en direct. Sinon, il y a une playlist. À chaque fois, en fait, sur ma chaîne YouTube, il y a des playlists sur lesquelles vous pouvez retrouver toutes mes vidéos. Donc, il y a une playlist. Et la playlist sur laquelle on travaille actuellement, c'est les Weekly Analytics Show, tous les dimanches à 21h. Vous voyez, il y a tout... C'est la 35... Oh, ça fait déjà 35 jours, 35 week-ends qu'on se retrouve ensemble. Donc, vous voyez, il y a tout, de 1 jusqu'à 35, vous avez tout. Allez sur ce lien, vous avez l'ensemble des éléments. Je vous envoie le lien vers la chaîne YouTube, le CoinStat. Vous aurez l'ensemble des éléments. Voilà. Le live, c'est toujours dimanche, Flavien. Dimanche prochain, on va parler de Power BI avec Benjamin Eisenberg. Donc, la suite de Docker, ce sera dimanche d'après. Donc, on a une formation gratuite offerte par Data Coach qui va nous parler de Power BI. Ce sera dimanche prochain. Et après, on va continuer sur la partie déploiement vers le cloud. En attendant, n'hésitez pas à pratiquer, voir d'autres vidéos sur le sujet. Comme ça, ce sera beaucoup plus fluide pour vous durant les lives. OK. S'il n'y a plus de questions... S'il n'y a plus de questions, je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir servi, de m'avoir suivi ce soir. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous. On peut l'utiliser en intranet aussi. Le plus important, c'est que vos collègues aient accès à ce pôle, Flavien. C'est ça le plus important. Mais là, je donne la possibilité de déployer à grande échelle, entre guillemets, de rendre accessible sur Internet via le cloud. Mais effectivement, si vos collègues ont accès au port, vous pouvez utiliser cela en intranet. La prochaine fois, on va aller un peu plus loin. Il y a Botaga. Bonjour, Natacha. L'analyse bivariée de toutes les variables, ça, tu peux le faire quand tu as 10 à 12 variables, mais quand tu en as 30, 40, tu ne peux pas le faire. Je pense que j'ai vu ton commentaire, Boutaga. En fait, quand vous avez 100, 150 variables, il y a une étape de présélection. OK? C'est pas comme si... Il y a toujours une étape de présélection. De toute façon, dans le modèle final, c'est souvent 10, une dizaine de variables, de toute façon. Donc, si vous avez trop de variables, il y aura un travail de présélection que vous allez faire. Vous n'allez pas y échapper. OK? Et c'est sur ces variables présélectionnées que vous allez réaliser les analyses. Sinon, vous faites des fonctions automatisées pour analyser rapidement des valeurs manquantes, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Donc, merci à tous et à toutes pour m'avoir suivi ce soir. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, bon début de semaine. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour une formation Power BI offerte par Benjamin Eisenberg. Et la semaine d'après, on apprend à déployer effectivement sur le cloud. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la suite des aventures sur le CoinStat.